De temps en temps, j'aime bien me lancer des défis. Ça m'aide à progresser, ça m'aide à m'améliorer et surtout, ça me retire certaines peurs, on va dire. Dans WRC, il y a les pistes du Mexique, notamment celle-ci qui m'angoissait de fou car elle est extrêmement technique. Et je l'ai juste runné quelques fois pour mettre un chrono et je suis quasiment jamais revenu dessus. Et ce matin, je me suis réveillé en me disant, et si j'essayais de claquer un top 100 mondial, parce que la concurrence est extrêmement difficile sur ce circuit. Elle met à rude épreuve énormément de techniques, que ce soit de concentration, que ce soit de perte d'adhérence, de transfert de masse, de contrôle au frein à main, de dérapage. Et évidemment, la moindre petite erreur est fatale. J'avais envie de me dire, est-ce que je peux arriver à être dans le top 100? Et surtout, combien de temps cela me prendrait à être dans le top 100 si je ne perds pas espoir avant? Je vous propose un petit résumé de cette aventure. À votre avis, combien de runs j'aurais besoin pour me glisser au top 100? Dans ce premier run que j'ai fait, pour voir à peu près mon niveau, comme vous pouvez le voir, la piste est extrêmement technique où la moindre, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur, avec des virages extrêmement vicieux et je pars avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension. Avant de démarrer, je vais évacuer une petite question. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les références de mon setup, de mon volant, des pédales, du frein à main, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a déjà un petit moment, je vous laisse le lien dans la description. De l'autre côté, oui, vous êtes libre si vous voulez de m'ajouter en ami sur Xbox, si vous voulez comparer vos temps sur le circuit. N'hésitez pas également vous-même à me dire quel temps vous avez fait. Alors, je roule en catégorie WRC avec la Toyota Yaris. C'est la voiture avec laquelle je suis le plus à l'aise, peut-être de l'intégralité du jeu. Et je fais quasiment que du contre-la-montre sur le jeu avec la Toyota Yaris. Et de temps en temps, il y a la Hyundai et de temps en temps, quelques autres véhicules et autres catégories quand j'ai envie de me changer les idées. Donc, comme dit, on est sur la piste de San Diego au Mexique et ce premier temps est de 4 minutes 30, ce qui me propulse à la 2400e place. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de progression à faire et l'avantage de ça, c'est que je me dis que bah, il y a pas mal d'endroits où je peux encore progresser. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne connais pas encore très bien les virages. Ni l'adhérence du véhicule dans les descentes et dans certains passages qui sont très très tendax. Après, ce que je me suis dit, c'est que je suis sur la terre. Je maîtrise, entre guillemets, disons que je me sens beaucoup plus à l'aise sur la terre que sur l'asphalte, que je maîtrise absolument pas. Non, on est sur une surface de terre. La seule appréhension que j'ai, c'est la difficulté du circuit, la difficulté et l'exigence du Mexique. Mais on va s'accrocher. Score de 4 minutes 30,8. 5, 4, 3, 2, 1. Top, droite sur ciel, dans gauche 4, bref, pour droite équerre, dans gauche 1, ouvre sur ciel, 40 mètres. Direct droite sur ciel, gauche 4, bonne chance. Et cette spéciale commence extrêmement difficilement dès le début avec une chicane de ces morts où si on coupe trop, il y a une espèce de bosse qui me fait perdre toute l'adhérence et surtout toute la maîtrise du véhicule. Il faut vraiment prendre bien 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 le virage. Là on a une descente avec, si je vais trop vite, je fais une perte d'adhérence avec un bosquet ici qui m'emmerde énormément. Ici on passe en cinquième à fond les ballons, à fond les pédales, j'ai encore très très peur de cette bosse qui me fait perdre beaucoup beaucoup de maîtrise du véhicule. Et là, une grosse grosse descente que je maîtrise absolument pas, qui s'enchaîne directement avec un frein à main des enfers. Au vu de la surface, des rochers, le moindre petit choc te crève un pneu. Et il y a certains virages de la spéciale où j'ai eu énormément de mal à savoir avec quelle vitesse arriver, avec quel rapport arriver. Et des fois je l'essaye en deuxième, je vois que je suis trop lent, puis je l'essaye en quatrième, je vois que je suis trop rapide, puis je l'essaye en troisième, mais je suis mal positionné. C'est vraiment une petite musique qui est extrêmement précise à installer. Pour droite léger,
Et c'est au sixième run que j'ai réussi enfin à améliorer mon temps. La fin de la spéciale d'ailleurs est extrêmement tendue, avec le passage sur le pont ici qui donne une petite chicane enchaînée par une énorme épingle à cheveux extrêmement piégeuse. Puis un peu plus loin, une énorme chicane aussi avec un 1 à droite et encore une épingle à cheveux extrêmement piégeuse sur la gauche. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à améliorer mon temps, me propulsant à la 1850e place. Il y a un truc que j'ai appris vraiment sur le tard, c'est que pendant les grosses épingles à cheveux, quand on repasse en première ou en deuxième, il faut absolument appuyer sur l'embrayage pour redonner du régime moteur, sinon on cale. Et à la 9e run, j'améliore enfin un tout petit peu mon temps. D'ailleurs, la fin de la spéciale est extrêmement piégeuse, je crois que ça va être le mot de cette aventure, avec cet angle droit où j'ai énormément de mal à tourner. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que c'est tous les joueurs ont fait ce genre d'expérience. Il y a des moments où vous allez juste faire des accidents en boucle, et des moments où vous êtes on fire et vous allez juste enchaîner des améliorations de temps, des passages bien maîtrisés. Et c'est ce qui m'est arrivé là, entre la run 11, 12, 13, 14, je suis passé de 4 minutes 17.3 en propulsant à la 560e place à 4 minutes 10.6, soit la 324e place. Et je me sentais bien là j'étais en confiance, on va dire. 40 mètres, droite, 3, bref. 4, et comme je vous l'ai dit, cette fin spéciale est extrêmement chaotique. Si on le prend mal, on peut faire des tonneaux quasiment en ligne droite. Mine de rien, peu à peu, l'épingle à cheveux du début de la spéciale, elle commence à rentrer dans les doigts, surtout les doubles épingles à cheveux, avec le haut de l'épingle à cheveux ici qui est pas encore maîtrisé, mais au moins je garde le contrôle du véhicule. Ce que j'aime beaucoup à force de grinder les circuits, c'est que une fois qu'on s'y habitue, les endroits où on avait beaucoup de mal, ou les endroits qui nous faisaient peur, on les maîtrise beaucoup mieux. Il y a même des passages que je détestais, que maintenant j'adore, comme cette épingle à cheveux avec cette descente où j'arrive en 3 et cette espèce de double épingle à cheveux qui est c'est pas une double épingle à cheveux, mais elle est en deux temps et je reste en première et j'arrive à glisser à peu près jusqu'à la sortie avec l'épingle à cheveux autour de l'arbre. C'est extrêmement difficile, je calais tout le temps où je me cognais tout le temps, je me cognais encore beaucoup, mais ça commence à rentrer et je commence à avoir la sensation de passer le passage de manière fluide. Et puis, comme prévu, après le passage on fire, c'est comme des montagnes russes, on est tout au fond du gouffre, j'enchaîne les erreurs, j'enchaîne les restarts, et j'arrive plus à rien. Allez, petit florilège. Droite, équerre, tard, sur pente, dans gauche 4, bref, 80 mètres. Gauche 4, dans droite, léger, sur ciel, long, et referme. 6 sur ciel, dans
Tout ça pour améliorer mon temps pour un peu moins de 2 secondes, arrivant à la 262e place. Run 35, j'étais on fire. J'arrive enfin de manière fluide à prendre ces épingles à cheveux, mais non seulement de manière fluide, mais surtout de manière relaxe, de manière relâchée, pas en étant ultra stressé à étant hyper nerveux ou à serrer le volant comme pas possible. Et en fait, un truc que j'ai appris aussi à force de jouer, c'est que au tout début, je serrais le volant comme pas possible. Et au final, c'est une très très mauvaise technique. Il faut absolument réussir à être super doux avec le volant. Si on serre le volant, on est trop stressé, on fait des erreurs. Alors qu'en étant le plus doux possible, on arrive à mieux gérer, à mieux appréhender. Il faut vraiment qu'une petite musique s'installe sur la chose. Ce passage est extrêmement difficile avec ce double 2 sur la gauche. Avec une énorme bosse qui peut t'envoyer valdinguer, et également ici une petite bosse qui peut t'envoyer valdinguer, tout ça juste avant la fin de la spéciale. Bref, une excellente amélioration du temps qui me propulse dans le top 200. Vous allez peut-être trouver ça rigolo, mais moi je vois le truc un peu comme dans Olivier Tom. On lutte pas contre le ballon c'est ton ami. Mais là c'est pareil, il faut pas lutter contre la bagnole c'est notre ami. Dès qu'on lutte contre la voiture, elle refusera de faire ce que vous voulez faire. Elle est juste beaucoup trop sauvage pour être domptée. Le truc c'est d'apprendre à danser avec la voiture, d'apprendre à la ressentir. Et surtout de l'accompagner dans son mouvement, mais surtout pas de lutter contre son mouvement. Et c'est au moment où on rentre, on va dire, entre guillemets, en danse, en symbiose avec le véhicule, que ça devient beaucoup plus fluide, que ça devient beaucoup plus agréable. Et surtout, il y a cette petite musique qui s'installe. Et ce kiff hallucinant de la fluidité dans les passages très difficiles qui rend l'expérience grisante et surtout qui est addictive. Il y a une espèce de dopamine qui s'installe, qui donne vraiment envie de retrouver cette sensation. Il y a aussi autre chose où j'ai beaucoup de mal à me battre, c'est quand t'es en avance sur le chrono. Quand le chrono m'indique que je suis en avance, que j'ai une seconde d'avance, que j'ai deux secondes d'avance, mon cerveau il est directement en train de process « Oh là là, mais c'est où que j'ai gagné du temps? C'est où que... Qu'est-ce que j'ai fait de mieux comparé au run précédent ?» Et au final, mon cerveau est tellement en train d'essayer de calculer qu'est-ce que j'ai fait de mieux, que je me casse la gueule, que je me déconcentre sur le virage, que je le prends mal et que soit je perds toute l'avance que j'avais, soit je fais un accident et je recommence. Et le cœur bat, le stress s'installe et monte. Et il y a aussi des fois l'effet inverse, où on fait une course extrêmement chaotique, où on a l'impression qu'elle est extrêmement chaotique, où on ne maîtrise rien, et pourtant on est en avance sur son temps. Ça m'est arrivé à la run 52, où c'était un bordel sans nom. Et pourtant, j'ai amélioré mon temps en atteignant le top 150. Je suis à 50 places de mon objectif, avec un temps de 4.03. Je ne sais pas où je vais améliorer ces dernières secondes pour atteindre le top 100. Mais on s'accroche. 50 mètres. Direct droite sur ciel, gauche 4, bonne chance. 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 En piste qui court à toute allure par voie, adversité va déterminer son but.
piste et cours à toute allure. Avant l'adversité avec termination pure. Les seuls mots défilent et son esprit reste pour s'entendre. Si vous prêtez attention, vous allez voir que j'ai des mitaines en cuir. Je me suis rendu compte que j'ai une cloque qui a poussé sur l'intérieur du pouce gauche au niveau de la première phalange. Je ne sais plus de combien est de newton mon volant, mais le retour de force est assez violent et le frottement avec le cuir du volant et mon pouce, parce que c'est avec la main gauche que je fais le plus d'efforts étant gaucher, ça a commencé à me faire mal. Ma femme m'a donné ces mitaines en cuir pour que je puisse continuer à conduire, mais j'ai dû réapprendre à conduire avec les mitaines, parce que forcément je n'avais plus la même sensation avec le volant. J'avais l'impression de pas tenir le volant. Mais ça a payé. Le 88e run, j'ai enfin amélioré mon temps de plusieurs secondes, passant à 4 minutes 01 pour atterrir à la 122e place. Je ne sais pas si je suis capable d'aller chercher les dernières secondes. Un score de 4 minutes 1,4. Dans gauche 1, ouvre sur ciel, mètre. 4, ferme fort, dans gauche sur ciel, 80 mètres. Et à la run 91, je me suis surdépassé en arrondissant à 4 minutes 00. Atterrissant à la 104e place, à 4 places près de mon objectif. Et à moins de quelques dixièmes au final pour atteindre le top 100. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête là? La question s'est posée. Et je me suis dit, allez, on va continuer. Mon objectif, c'était d'atteindre le top 100. Je suis à la porte. Vraiment, je suis à la porte du top 100. Je peux pas lâcher maintenant. Mais le problème, c'est d'aller chercher ces derniers dixièmes de seconde, ces dernières secondes. Je ne sais plus à quel endroit je peux améliorer mon temps. Et sachant qu'il y a certains virages que je vais moins bien prendre et perdre du temps, d'autres virages où je vais mieux prendre et gagner du temps, mais à quel point je vais me buter pour qu'il y ait un alignement des planètes et que les portions de circuit que je fais bien lors d'un essai et que je fais mal de l'autre essai, pour qu'un alignement des planètes s'aligne et que je fasse une majorité de bonnes portions pour améliorer de tout petit peu mon score. Mais j'y croyais et je m'accroche. Et c'est d'autant plus difficile car la moindre petite erreur ou même l'erreur un peu grossière, bah c'est restart direct parce que le retard emmagasiné serait impossible à rattraper. Tourne gauche, de bref, 60 mètres. Attention, ciel, mètre. Tourne gauche, de bref, 60 mètres. Attention, ciel. Tourne gauche, de bref, 60 mètres. Attention, ciel. Bref, 60 mètres. On a crevé, encore 3 km. Tourne gauche, de bref, 60 mètres. Soulage pour droite 6 sur ciel, dans gauche. Et on y arrive enfin. La 111e run sera la run libératrice. Direct droite sur ciel, gauche 4, bonne chance. 5, 4, 3, 2, 1. Top, droite sur ciel, dans gauche 4, bref, pour droite équerre. Dans gauche 1, ouvre sur ciel, 40 mètres. Gauche 5 sur ciel, pour droite 4. Dans gauche, léger, tout droit, 50 mètres. Droite, léger sur ciel, 90 mètres. Petit jump, de suite, droite 6, 40 mètres, gauche 6 sur ciel, soulage, droite 6 sur ciel, dans gauche, léger, épingle qui referme, 40 mètres, droite 3, bref, dans droite 1, élan, ouvre, dans droite 4, dans gauche 6 sur ciel, 50 mètres, soulage, gauche 6, long qui referme, dans droite 5 sur ciel, sur gauche 3 sur ciel, dans droite 5,
sur ciel. Tend droite 6, ouvre. Tend gauche 5, bref. Tend droite 6 sur ciel. 30 mètres, droite sur ciel. 50 mètres, soulage. Droite 4, bref. Sur ciel, pour gauche 2, bref. Pour ciel, tend gauche 4, bref. Tend droite léger, 30 mètres. Tourne gauche 2, bref. 60 mètres. Attention, ciel. De suite, gauche 3, ferme, 70 mètres. Attention, gauche 6, bref, soulage 30 mètres. Gauche 1, au droite équerre, ferme 40 mètres, sur pont. Croisement, gauche 1, 50 mètres. Ciel, dans droite léger, équerre qui referme 30 mètres. Ciel, sur croisement, équerre gauche, 70 mètres. Gauche sur ciel, 60 mètres, soulage, ciel, dans droite, léger sur ciel, croisement, droite, court, 50 mètres, gauche 3, ferme, 50 mètres, ciel, de suite, gauche 1, pour droite, 4 tard, pour gauche 6, dans droite 6, pour droite sur ciel, sur droite 3, bref, sur gauche 2, pour ciel, pour droite, équerre tard, sur pont, dans gauche 4, bref, 80 mètres. Droite, long, sur pont, gauche, 3, bref. Et croisement, gauche, épingle aiguë. Tend droite 4, ouvre et ferme. Pour gauche 3, et long. 6, ouvre, 60 mètres. Droite 1, bref, 50 mètres. Droite 4. Sur ciel, 30 mètres. Gauche 4. Tend droite, léger, sur ciel, long, qui referme. Dans gauche, léger, piège, pour droite, sur ciel. Dans gauche, 1, bref, pour droite, 3, bref, sur ciel. Pour droite, sur ciel, 50 mètres, épingle gauche. Pour droite, léger, dans gauche, 5, pas corde, flac. Pour gauche, léger, dans droite, 4, sur ciel. Et long, sur ciel, 40 mètres. Droite, 5, gauche, 5, sur pont, pour droite, épingle, 40 mètres. Gauche 6 sur ciel, 40 mètres. Gauche 5 sur ciel, 30 mètres. Équerre gauche, 60 mètres. Droite 1 sur ciel, gauche épingle tard, ouvre 30 mètres. Gauche 6, soulage, dans droite 6, pour droite 3, bref, pour droite 6, long. Sur ciel, pour gauche 2, ferme fort, dans gauche 6, pour droite 6. Sur gauche 2, ferme fort, sur ciel 40 mètres, droite 3, bref, dans gauche sur ciel 40 mètres, droite 4, ferme fort, dans gauche sur ciel 80 mètres, gauche 3, bref, sur ciel, de suite, droite équerre, dans gauche léger 100 mètres, sur arrivée, sinueux et stop. Ok, un score de 3 minutes, 58,4.